va passer tout le week-end avec nous et on va prendre des photos de toutes nos activités amusantes pour les coller ensuite dans l'album de Bob le Bilby. Là, c'est Bob chez Jasper W. Et là, il est chez Harley. Oh, tu sais faire du karaté, Bob? Alors dis donc, je vais éviter de te mettre en colère. Et là, c'est quand il est parti en vacances avec Madame Terrier. Ah oui, elle a emmené Bob avec elle quand elle est partie en Écosse. Waouh, Bob, tu as pas mal voyagé. J'espère que tu passeras de bons moments avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Oui. Hé, hey, c'est à moi. Lâche-le tout de suite. C'est à papa. Attention, papa, essaie de faire du karaté. Allez, maintenant je vais prendre une photo. S'il te plaît, la vache, fais-me. Allez, marche vers moi. Parfait, souris, Bob. Fais-moi voir. Viens voir ta maman, mon petit Jeky. Je te chronomètre toujours, Bingo. Mais il faut que j'attrape Jeky. Va te brosser les dents. Moi, je rattrape Jeky. Bon, d'accord. Non, non, tu vas chercher ton chapeau et moi, je rattrape Jeky. Continue à chronométrer. Zut, je le retrouve plus. Tu l'as bien cherché? Oui, j'ai vraiment regardé partout. Oh, il est là, regarde. Oh, ah oui. Bon, allez, Jeky, descends. Qu'est-ce qu'il disait déjà à papy à l'époque où il était soldat dans l'armée? On se dépêche et on attend. On se dépêche et on attend. Bingo, tes dents. Oh oui, zut. Désolée. Tu t'es pas fait mal? Non, j'ai rien du tout. Tant mieux, aide-moi à remettre ça en place. Oh zut, pourquoi il faut que je t'aide? Oh, j'ai compris. Ah, qui est-ce qui va rattraper Jeky? Oh, c'est moi. Ma banane est par terre. Je la ramasse. Tiens, Bingo, je vais te l'envoyer. Merci, c'est gentil. Qu'elle a un goût dentifrice. Bon, allez, en route. Vous êtes toutes les deux dehors dans une minute. Je peux porter mon chapeau comme papy, avec le bord relevé sur les côtés, comme sur la photo. Quelqu'un aurait vu mes lunettes de soleil. Bon, cette fois, les filles, vous allez un peu trop loin. Tu as dit qu'on devait te montrer qu'il est important pour nous. Chili! Oh, viens dans mes bras, mon petit cœur. Chili, aide-moi, s'il te plaît. Hein? Comment va mon petit singe préféré? Hé, hey, petit, c'est ma femme! Non, plus maintenant. Maman s'est mariée avec Monsieur Singe en culotte. Quoi? Mais c'est arrivé quand exactement? Je t'assure, j'allais te l'annoncer. Tu m'as quitté pour un singe? Je suis vraiment désolée, chérie, mais il y a quelque chose chez lui qui le rend important à mes yeux. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh oui, excellente idée! Tu peux devenir son majordome. En fin de compte, ça me ferait plaisir. Que puis-je faire pour vous servir, monsieur? Bien sûr, monsieur, tout de suite. Tu vas probablement le regretter. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Singe en culotte ne veut pas d'os sur sa couverture. Il veut des bananes. Sa couverture? C'est pas sa couverture, c'est la mienne, pas la sienne. Plus maintenant, parce que c'est aussi sa chambre. À tout à l'heure. Ding da ding ding ding, brr brr brr. Insérez une pièce pour gagner des prix géniaux. Cette machine n'accepte pas les pièces imaginaires, désolé. Trouvez-vous un travail pour gagner de vraies pièces. Maman, on peut avoir des vraies pièces? J'ai dit, trouvez-vous un travail. Bon, dans ce cas, si vous faites le lit de maman et papa, je vous donne 20 centimes. Oh, viens, suis-moi, Bingo. Je garde un œil sur toi, pince magique. Voilà pour vous, une pièce de 20 centimes. Tching. Ding, 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 ding. Vous avez droit à une partie. Je vous souhaite bonne chance. Oh, je fais mon dauphin danseur. Oui. Bon, allez. Vous vous cachez et je vous cherche. Allons-y. Un, deux... Attends un peu. Oui, attends une minute. Nous irons nous cacher que si tu nous promets de ne pas oublier que tu dois nous chercher. Mais j'ai jamais fait ça. Si, tu l'as déjà fait. D'accord, d'accord. Je vous le promets. Bien. Maintenant, cachez-vous. Un... Ah, allons-y, elle est en train de compter vite. Il faut se cacher. Ne vous laissez pas distraire. Oh. 18, 19 et 20. Vous êtes cachés, j'arrive. Alors, où peuvent-ils bien être cachés? Oh, une balle de tennis. Oh, te laisse.
pas distraire, Bluey. Personne ici. Ils sont drôlement bien cachés. Il y a quelqu'un ici? Pas de Floppy ici. Bon, alors, je me souviens qu'avant de venir ici, j'étais devant le canapé et je prenais la commande de papa. Bien le bonjour, monsieur le client. Que désirez-vous pour le petit déjeuner? Un œuf, s'il vous plaît. Mais certainement, ce ne sera pas très long. Oh, attendez une seconde, je ne veux pas un œuf normal. Ce que je veux, c'est un œuf de rat poulet. Qu'est-ce que c'est un rat poulet? C'est un croisement entre un rat et un poulet. Je vois, je vais vérifier auprès du chef. Prenez votre temps. Oh. Je suis désolée, Bingo. On a déjà fouillé toute la pièce et il se fait tard maintenant. On recommencera à chercher Floppy demain matin. Je reverrai plus jamais Floppy. T'en fais pas, Bingo. Elle est sûrement cachée quelque part, tu sais. Elle est cachée? Ah, je sais où est Floppy. Oui, je sais où est Floppy. Où ça? Floppy! Salut, petit papa robot. Oui, mon maître. Voilà, nous avons besoin de tes services. Suis-nous jusqu'à la salle de jeu. Oui, mon maître. Une minute. En fait, tu vas nous porter jusque là-bas toutes les deux. Oui, mon maître. Tu viens nous transporter en faisant la danse du robot. Oui, mon maître. Et... Petit papa robot, nous te donnons l'ordre de ranger la salle de jeu. Servir mes maîtres est un immense honneur pour moi. Comme sur des roulettes. Comme c'est relaxant. Oui, on devrait l'utiliser tous les jours, cette méthode. C'est sûr. Écoute-moi, papa robot. On ne veut plus jamais avoir à ranger la salle de jeu. Oui, exactement. Plus jamais. Plus jamais de la vie? C'est ça, plus jamais. C'est fini. Et pour toujours. Tu as bien compris? Oui.